Moussé. Babé amon la Moussé. Salut, allez vous abonner à la chaîne. Les institutions publiques, les entreprises publiques, les services de l'État, les régies financières, toutes ces institutions publiques ont été littéralement privatisées. Les gens se servent et se sont servis à la caisse. Donc aujourd'hui, le procès contre Vital Kamerhe pour corruption et détournement de fonds publics n'est qu'un cas particulier parmi tant d'autres qui constituent la généralité en République démocratique du Congo. Si nous voulons nous développer en tant que pays, nous devons mettre fin à ce genre de pratiques à travers l'application rigoureuse des lois congolaises dans la lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics et la prédation des ressources naturelles. Dites-nous, Tchani, dans quelle mesure le directeur du cabinet ou d'un chef de l'État est-il politiquement autonome? Moi, je dirais que, comme dans tout service, quand on est président de la République, on a un directeur de cabinet ou on a des conseillers qui peuvent être 30, 40, 50. Et on a même dit qu'ici, en République démocratique du Congo, on a près de 741 conseillers au niveau donc, de la présidence. Le chef de l'État définit, à travers son directeur de cabinet, les termes de référence qui lient ce conseiller-là au directeur de cabinet ou bien à la présidence de la République. Tout comme le chef de l'État définit aussi les termes de référence du travail du directeur de cabinet. On dit par exemple que le directeur de cabinet gère le personnel, il engage la présidence de la République à travers sa signature. Et avant la mise en place du gouvernement, on avait même donné au directeur de cabinet la responsabilité d'engager des dépenses publiques. Mais il engage ces dépenses publiques conformément aux termes de référence qui lui sont donnés par le président de la République. Dans les termes de référence, on ne dit pas au directeur de cabinet d'aller détourner de fonds publics. Quand il y a détournement de fonds publics, quand il y a corruption, il s'agit d'un acte isolé, un acte criminel commis par un individu de sa propre conscience, de son propre chef. Cela n'engage pas la responsabilité donc de son chef. Par conséquent, les actes qui seraient malhonnêtes et qui seraient commis par le directeur de cabinet, Vital Kamerhe, n'engagent pas du tout le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a lieu de concevoir que finalement il s'agit d'un jeu de rôle? Je dirais non. Quand il s'agit d'un acte criminel, je le disais tout à l'heure, le directeur de cabinet n'agit pas au nom du chef de l'État. Pourquoi? Parce que le chef de l'État ne peut pas demander à quelqu'un d'aller commettre des actes malhonnêtes ou des manques d'intégrité ou détournement de fonds publics ou de corruption. Au nom de qui? Au nom de lui, le chef de l'État. J'ai doute fort. Donc, moi, je dirais que s'il y a des actes malhonnêtes ou des manques d'intégrité ou de détournement de fonds publics ou de corruption qui ont été commis par le directeur de cabinet ou n'importe quel conseiller à la présidence, cela n'engage que la responsabilité de cette personne-là. C'est la responsabilité civile de la personne, c'est même la responsabilité légale de la personne. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un chef de l'État aller écrire dans des termes de référence et les faire signer par son directeur de cabinet en lui disant « Allez-y maintenant, vous allez détourner, vous allez être corrompu à mon nom et pour mon compte ». Je doute fort que cela donc soit le cas. Mais nous souhaiterions que la justice congolaise puisse se prononcer parce que la justice ou les juges auront l'occasion d'écouter le directeur du cabinet, de le confronter avec des documents qu'ils ont et de pouvoir déterminer si effectivement il a commis des actes de manque d'honnêteté et si ces actes lui ont été dictés par qui que ce soit. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de doutes à croire et à penser que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pouvait avoir demandé à son directeur du cabinet d'aller agir en son nom en commettant des actes qui violaient clairement donc la loi ou les lois donc de la République ou la Constitution de la République. Alors Noël Tchani, est-il possible que
Vital Kamerhe puisse aussi être blanchi au terme de ce procès? Moi, je dirais, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'à ce stade ici, les allégations qui ont été faites contre Vital Kamerhe ne disent pas qu'il est totalement coupable, bien que nous avons vu les indications venant du procureur général près de la cour d'appel de Matete, qui indique qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Et c'est pour cela qu'il a transmis ce dossier-là au niveau de la haute instance, au niveau donc de la Gombe. Donc, à ce stade ici, il y a présomption d'innocence. Et quand il y a présomption d'innocence, c'est sérieux. Ça veut dire que si la personne arrive à justifier les actes qui lui sont reprochés, à justifier que cela n'a pas eu lieu, bien sûr qu'il sera blanchi par la justice. Et d'ailleurs, nous allons tous applaudir au cas où cela donc est le cas. Mais jusqu'à présent, les indications à lire ce qui se passe donc sur les réseaux sociaux, il me semble qu'il aura beaucoup de difficultés donc à convaincre les juges qui n'a pas commis des actes de corruption, détournement de fonds publics. Par exemple, j'ai vu, si cela est correct, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on indique qu'il y a eu retrait du compte de l'État et montant de 9 millions de dollars qui aurait été transféré à une fille qui serait sa belle-sœur, qui ne travaille pas. Et on lui aurait posé la question au niveau du tribunal de Matete, est-ce qu'il connaissait cette fille? Il a dit oui. Est-ce qu'elle a une fonction publique? Il a dit non. Comment expliquer qu'il y a un transfert dans son compte de 9 millions de dollars? Il n'a pas pu répondre. Si cette allégation est correcte, je ne vois pas comment il va s'en sortir. J'ai compris aussi qu'il y aurait un dépôt qui serait sorti, où les fonds seraient sortis du compte de l'État, le compte donc des 100 jours, comme on appelle ça, du programme des 100 jours, et ce dépôt de 10 millions de dollars aurait été effectué au profit donc d'une fille qui serait sa belle-fille ou quelque chose comme ça. Donc, si ces choses-là s'avèrent être correctes, je pense qu'il sera condamné. Mais à ce stade ici, nous devons tous prier que Vital Kamerhe sorte sain et sauf et qu'il explique clairement aux juges que les faits qui sont allégués ne sont pas corrects et que par conséquent, il est conséquent. Et si cela est, par conséquent, il est innocent. Et si cela donc est le cas, je vois très bien donc la justice le blanchir pour qu'il puisse retrouver donc la vie normale. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il est condamné, j'ai peur qu'il puisse donc passer plusieurs années en prison en tant qu'un cas d'école que tout le monde va regarder comme étant un exemple typique de la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics et surtout les conflits d'intérêts. Merci de vos réponses et merci à vous de votre attention. À très bientôt. Au revoir. Songi Songi officiel, eye! Songi Songi officiel, émission Oyo, eye pona koloba, ba vérité na esika nyonso ya République démocratique du Congo. Ba yi église, ba yi politique, ba yi musique, ba province nyonso. Tobo sanité, ba société nyonso. Ehe, na bandeko nyonso ya diaspora. Songi Songi officiel. Ezali wana pona ko contrôler mandat ya président de la République. Ezali wana pona ko lande la paix ba député nyonso ya République démocratique du Congo. Songi Songi officiel. Eye. Songi Songi officiel. Eye lisusu. Émission ya bana mboka. Tola. Yeah.